André Croza, l'homme qui brille de mille feux, puisque c'est vous qui tirez les feux d'artifice. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, à quelques heures de lancer ces fameux feux d'artifice, comment ça se présente? Eh bien, alors, d'abord, ça se présente bien, parce que comme il a plu, le terrain est un peu humide, et ça évite qu'il y ait des problèmes d'incendie, de foin, de ce genre de choses, donc on est très content pour ça. Autrement, l'emplacement reste à peu près le même que l'an dernier. Donc, juste derrière nous. Juste derrière nous. Et puis, nous installons demain après-midi depuis 3 heures à peu près. Ça prend un peu plus de 2 heures pour installer tout ça, mais nous sommes une vingtaine de personnes et ça devrait bien se passer. Ce matériel, il est composé de combien de feux et puis d'où est-ce qu'il vient surtout? Alors, il y a 1400 bombes de taille, de grosseur différentes. C'est une entreprise de Lucerne qui en fait l'importation. C'est la maison Bugano qui fait l'importation la plupart depuis la Chine, mais il y a des produits européens, ça veut dire allemands, italiens, espagnols, des très beaux produits, des bombes à plusieurs étages et autres, qui coûtent tout de même beaucoup plus cher que des simples bombes à effet unique, quoi. Dans les artificiers, on a un groupe de base d'une dizaine de personnes qui sont pour la plupart des artificiers qui ont des brevets, et puis on a des aides pour porter des caisses et tout, qui sont des gens qui montent avec nous. Donc on est une vingtaine en tout. Et puis c'est bien pratique parce qu'il y a de nouveau beaucoup. Il y a beaucoup de caisses, beaucoup de produits, beaucoup d'effets. Et puis je peux vous dire qu'il y a 1400 kilos à peu près de marchandises, de matériel explosif. Donc c'est une grosse masse qui est répartie. Et le feu, il va durer à peu près 15 minutes 20 secondes, 15 minutes 18 secondes. Et puis après, c'est un grand smiley. On espère toujours que le smiley soit tourné en direction du public et puis pas à l'envers. Donc là, c'est quoi? Des calculs savants pour que ce smiley soit dirigé vers le public? C'est un coup de bol. Un coup de bol, bah voilà. Au moins, il a la fierté et le culot de le dire, les deux en un. André, vous m'avez confié que ça fait un petit moment même depuis le début du paléo que vous êtes là, vous faites partie des meubles. C'était quoi le plus beau feu que vous ayez fait? Non, mais les beaux feux, si vous voulez, moi je garde un merveilleux souvenir des feux qu'on tirait depuis le nouveau terrain, derrière la grande scène. On est dans le champ derrière. Le problème, c'est qu'on a eu 2 fois des incidents. Une fois, une bombe est retombée en incandescence sur la toile de la tente. Donc, on a dû arrêter le feu, monter avec des extincteurs pour éteindre. Et puis, après, on a décidé de venir dans le champ qui est derrière le nouveau paléo. Puis, on est resté à cet endroit-là. C'était des très gros feux. Quand il y a derrière la grande scène, si vous voulez, il y a une magie de spectacle pyrotechnique derrière la scène avec les lumières et tout. C'est quelque chose de somptueux. Mais ce qu'on fait maintenant, les 15 minutes de feu qu'on fait derrière le détour dans le champ là, c'est aussi un très beau spectacle. Et puis on le fait un peu plus haut et tout. Et c'est un très beau spectacle aussi. Et l'important, c'est que ce soit fait avec le cœur. En tout cas, on le ressent. Dernière question, André, pour les gens qui veulent voir ce feu, le bon spot, c'est quoi les conseils que vous nous donneriez pour voir le feu? La partie principale de notre public, c'est les gens qui sont devant la grande scène, qui regardent les concerts jusqu'à la fin et puis qui attendent surtout le concert qui commence juste après le feu. Et c'est un moment... Donc toute la plaine, si vous voulez, la plaine de l'As et tout, il y a du monde partout qui regarde. Devant le détour, derrière la scène du dôme aussi. Et depuis partout, c'est beau. Même le camping, les gens du camping qui sont à quelques centaines de mètres se régalent aussi. Merci André, et puis merci d'avoir le smile. Merci pour vous. Bon après-midi.